Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, les Knapsurts, je crois que ça se prononce comme ça, sont arrivés. Et donc il y en a un à Fort Pinta. Et sinon, vous savez, l'autre écurie. Oui, je vous ai pas encore mis la vidéo de la Saint-Valentin en ligne, donc je vais pas tarder. Vous inquiétez pas, j'avais pas eu trop le temps, comme je vous ai dit. J'ai des journées très remplies. Et donc j'avais pas trop le temps. Donc la petite écurie, je pense que tout le monde l'a vu, même si j'ai pas posté ma vidéo pour l'instant, près de l'écurie Jorvik, et qui est en face de Jarlheim en fait. Enfin, la porte de sortie. Après il y a la carrière avec le petit Abian, et après il y a l'écurie. Bon bref, si vous voyez pas, vous verrez, hein. Donc là on a le premier. Si j'arrive à descendre, ce serait déjà peut-être pas mal. Et donc il coûte 750 star coin. Il est au niveau 1. Enfin, on peut l'acheter au niveau 1. Et voilà, donc je vous lirai ça. Enfin, d'ailleurs, je peux vous lire maintenant, mais je pense que je vais m'en acheter un sans trop tarder. Mais j'ai décidé de. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de Melissa Westfall, que je trouve vraiment, pour le coup j'aime pas trop ce genre de vidéo, mais là elle explique bien et je trouve que c'est une très bonne technique qu'elle a. C'est à dire que sa technique, c'est que tant que tous ses chevaux ne sont pas au niveau 15, pardon, j'ai encore le nez bouché, hein, comme d'hab, selon elle, elle n'a pas le droit d'en racheter un. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne technique, parce qu'en même temps tu économises tes sarcos, et en même temps bah c'est vrai que c'est non, tes chevaux ils sont pas entraînés au max, pardon, et bah non quoi, on ne fait pas. Voilà, donc quand je vous disais, parce qu'il y a plusieurs portes de sortie, il y a celle-là, derrière moi, et celle-là qui est celle dont je vous parlais. Gabriel Majorlik, ouais, pardon. Mais ouais. J'ai la flemme d'écrire COU, tu vois. Parce que c'est plus court alors. Alors. Il n'y a que cela, je pense que les autres arriveront la semaine prochaine. Même si j'avais vu le noir qui était comme ça, mais sauf en noir quoi. Qui était juste trop beau. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a là un beau tacheté baie brun, je dirais, qui descend vers le foncé ici. Ils sont super bien détaillés avec leurs petits, enfin leurs grosses taches qui descendent au tout petit point. Leur cran, ils sont basiques, on va dire, mais je trouve très bien détaillés quand même, parce que ce qu'ils auraient pu faire juste, c'est que ça bouge comme les Lusitaniens et les Andalous et les Frisons. Non. voilà, donc lui, je l'aime bien perso. Je pense que si je devais en acheter un, ce serait lui. Mais comme il n'y a pas encore le noir qui ressemblait à lui, regardez la vidéo, hein, et vous verrez duquel je parle. Voilà. Donc, ah, j'en ai marre. Les gens, ils vont avoir le tournis. Donc là, on a quand même un tacheté, ouais, un tacheté baie. Enfin, les taches sont baie brun. Mais sinon, il est gris en fait. Enfin, il, quand je dis il, parce qu'on dit un cheval. Voilà. Mais sinon. Ah bah t'es là toi. Hey, samedi j'achète le nouveau cheval. Deux secondes, je réponds maintenant. Ok. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais bon c'est pas grave. Je fais des fautes d'orthographe partout donc. Elle va dire, ah mince, j'ai dû la déranger. Non, mais pas du tout.
Enfin, voilà, comme ça prend pas trop longtemps à lui répondre. Sauf que là, elle est carrément appuyée sur un autre frison. Genre, tranquillou, quoi. Ouais. Ok. Donc là, il y aura, je pense... Ah, il y en aura d'autres. Elle me dit quoi? Ah non, elle me dit rien. Dessus avec un E. Non, mais n'importe quoi. Pardon. Je suis tellement méchante, mais bon. Donc, là, on peut les avoir au niveau 10. Donc, difficile de ne pas être impressionné. La première fois qu'on pose les yeux sur le fier Knapsurte. Avec sa robe tachetée bien reconnaissable et son histoire qui se mêle à celle des familles royales, voilà une race qui se démarque clairement des autres. C'est vrai que, quand même, on peut se dire que ça ressemble pas trop à une autre race, je dirais. Non, pas du tout. Même si le Knapsurte n'est officiellement devenu une race qu'en 1812, ses racines remontent à la lignée royale du Frederiksborg, bon, je sais pas comment ça se prononce, désolé, et des chevaux de guerre espagnols. Les familles royales de la période baroque adoraient ces chevaux, qui étaient parfaits pour exprimer leur joie de vivre et leur insouciance. Ils tiraient donc les carrosses royaux et les rois et reines en montaient pour aller à leur couronnement. Le motif étrange d'un Knapsurte n'est pas des taches, mais en fait des trous dans le poil blanc révélant la couleur sous-jacente. Cette robe délicate a presque été éliminée au cours de l'élevage car les gens confondaient souvent le gène blanc dominant avec le gène gris. Pardon si c'est dur à lire, mais quand même. Ce qui mettait la pagaille dans la génétique. Le Knapsurte a aussi eu à affronter des épreuves en 1891, lorsque la ferme qui les élevait a subi une tragédie. Un incident causé par la foudre a ravagé Knapsurte Gard. Et 22 chevaux ont péri dans les flammes. Le Knapsurte est un cheval aux multiples talents et il apprend très vite. Cela fait de lui un très bon cheval. Des numéros ou des spectacles, son caractère doux et charmant te permettra d'explorer avec lui sans aucun souci et sa curiosité vous emmènera sûrement vers de nouvelles aventures. Si tu veux te donner un spectacle ou que tu ailles et chevaucher comme une reine dans tout genre Vic, pas besoin de chercher plus loin. Le saisissant Knapsurte est fait pour toi. Voilà. Ça fait du bien. Donc, peut-être qu'elle m'a répondu. XD. Ça se trouve, elle aussi, en fait. Ouais, voilà. C'est ça que je voulais dire. Andalou. Ils ont repris le modèle de l'andalou, un peu, en fait. On voit, hein. Les mouvements de la queue, les mouvements des oreilles. J'adore. Alors, mon Connemara. Mon pauvre petit Connemara. Voilà. Donc. Alors. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Que oui, je suis désolée de pas avoir copié plus tôt la vidéo de la Saint-Valentin, donc je sais pas si elle sortira avant. Enfin, parce que parfois quand on... en gros, si je mets cette vidéo-là que je suis en train actuellement de faire avant celle de la Saint-Valentin, vous inquiétez pas, c'est juste parce que c'est un peu compliqué, quoi. Bref,
Donc sinon, bah là je vais aller entraîner mes petits chevaux. D'ailleurs, oh, tant qu'à faire, au lieu de vous laisser tout seul là dans votre coin de votre devant votre écran, on va faire des petites courses ensemble. C'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Déjà, j'ai un cœur, je crois, c'est ça. Ouais. Et à la base, ouais, voilà, c'était la sacoche qu'il fallait qu'on pouvait avoir. Je commence par la course de l'amitié parce que je l'aime pas trop trop, perso. Je préfère celle de la Saint-Valentin. Enfin, c'est une des courses de la Saint-Valentin, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que celle avec les obstacles plein partout dans la carrière, là, elle est beaucoup mieux. Voilà. Parce que ça fait en fait... je vais essayer de... En fait, j'ai envie de faire plus qu'une vidéo par semaine. Parce que j'ai envie, voilà. Et comme j'ai le temps, parfois, bah voilà. Enfin, de vous mettre, de vous publier plus d'une vidéo par semaine. Ça va être dur, mais une fois que j'aurai pris le rythme, ça devrait aller. Et s'il vous plaît, dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Parce que moi, j'ai plus d'idées, hein. J'ai tout fait, moi. Non, j'ai pas tout fait. J'ai pas fait le calendrier de Noël, oui, d'accord. Mais bon. Allez. Pardon. J'adore cette musique. Non ! Voilà, voilà. J'ai pas pris mon raccourci et là, ça fausse tout. Mais on n'est plus à Jean Vicard ! Sérieux? Ils sont venus en voiture. C'est du polluant! Non, je rigole. Enfin, oui, c'est polluant. Mais. Parfois, il le faut bien. Hein. Enfin, je pense qu'on pourrait pas vivre totalement sans polluant. Alors là, je dirais, moi, je dis juste mon avis. Hein. Je veux pas, enfin, c'est pas pour qu'on me réponde, bah si, on pourrait vivre sans polluant, ou bah non, c'est sûr, t'as raison. Voilà. Je dis vraiment mon avis. Là, l'obstacle, il est à 3 barres. Enfin, à 7 barres. C'est juste tranquille quoi. Hop, hop. Et je sais pas si je vous la posterai aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui actuellement. On est le 19, je crois. Oui, c'est ça, on est le 19 février 2020. On a une sacoche là. Alors moi, j'ai mis l'équipement sur mon cheval de départ. Parce que j'avais envie de mettre l'équipement sur mon cheval de départ. J'adore vraiment ce cheval, mais en même temps, je me dis que je le montrerai jamais. Donc, je pense que j'aime vraiment ce cheval et il me fait de l'œil depuis un bon petit moment. Mais je le montrerai jamais en fait. Parce que j'aime pas ses allures et tout, mais je trouve qu'il est juste trop beau. Il est trop mignon, alors... autant venir pour le regarder. Mais perso, l'acheter, ça va me servir à absolument à rien. Parce que... Ah! J'arrive plus à avancer. Si vous connaissez pas le film Japlou, mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Enfin, si vous le connaissez pas, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort. Mais le film Japlou, c'est un super beau film, une histoire vraie qui a été, refaite pas par le même, enfin c'était par un acteur. Et Japlou, en fait, c'est un seul français qui a été champion olympique de hunter. Donc c'est-à-dire le hunter, c'est du CSO en fait, mais en comptant le nombre de foulées entre chaque obstacle.
Et donc, il a été champion olympique de ça. Et à la fin du film, je vous dis la fin, mais franchement, je suis égoïste parce que j'aurais dû vous laisser la fin. Mais bon, je vais vous. Ah, j'ai trop envie de vous le dire en même temps, je me dis, c'est pas gentil. Bon, de toute façon, ce sera quand même une surprise pour vous. Si vous le connaissez pas, et ben en fait, à la fin, au dernier obstacle, quand il va devenir champion olympique, au dernier obstacle, pendant qu'il est en train de sauter le dernier obstacle, il lève les mains et c'est trop trop beau. Et après, on le voit au ralenti, oh, c'est juste trop, mais enfin, c'est trop trop bien. On a un t-shirt à gagner, genre, oh ouais, quand je vais à la campagne à niveau, trop cool. Pardon. J'aimerais bien voir quelqu'un qui a un des chevaux là. Un des chevaux, je veux dire. Ah, par contre, je trouve cet Andalou juste trop beau. Perso, j'ai l'application Startable Horse. Mais, j'y joue vraiment pas régulièrement. J'y joue genre une fois tous les 3 mois. Voilà. Et puis 5 minutes quoi. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Mais voilà. Oh, ce Connemara. Regardez, le Connemara. En fait, c'est le Connemara de Mistfall avec des grains noirs quoi. Ah, c'est le Connemara de Mistfall avec les grains de celui de Fort Pintal, le Gripoulet. Bon, bref. Je vais pas trop parler, même si il y a 2 secondes je disais que j'allais pas vous laisser. Pardon. Je me grattais. Et du coup, je veux pas vous embêter plus que ça. Donc, on va tout simplement se dire au revoir. Allez, gros bisous et à de prochaines aventures. Mouah.